Wait a minute. Do you hear them coming, brother? Up the streets of light, clad in glorious garments, blood-washed garments pure and white. It's a glorious church, out spot or wrinkle. C'est une église glorieuse, sans tache ni ride, lavée dans le sang de l'agneau. It's a glorious church, c'est une église glorieuse, spot or wrinkle, washed in the blood, lavée dans le sang de l'agneau. Do you hear the stirring anthems filling all the earth and sky? Tis a grand victorious army. C'est une armée victorieuse avec la bannière haut élevée. It's a glorious church without spot or wrinkle. Une église glorieuse. Washed in the blood of the Lamb. Lavé dans le sang de l'agneau. Tis a glorious church without spot or wrinkle. Hallelujah. Washed in the blood of the Lamb. Never fear the clouds of sorrow. N'ayez jamais crainte des nuages de tristesse ou des tempêtes du péché. We shall triumph on tomorrow. Nous allons triompher. Even now our joys begin. Et maintenant même, notre joie commence. Glorious church without spot or wrinkle. Praise God, amen. Washed in the blood of the Lamb. Glorious church without spot or wrinkle. Washed in the blood. Glory. Wave the banner, shout his praises. For our victory is nigh. We shall join our conquering Savior. We shall reign with him on high. Nous allons régner avec lui. Glorious church without spot or wrinkle. Quelle église glorieuse. Washed in the of the Lamb. Lavée dans le sang de l'agneau. Glorious church without spot or wrinkle. Washed in the blood of the Lamb. One more time. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Oh, praise God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. Thank the Lord. Merci Seigneur. Glorious church. Quelle église glorieuse. Would you open your Bibles, please? Genesis 18. Ouvrez votre Bible dans Genèse 18 et 1 Pierre 2. I don't know what I'm doing here now. Je ne sais pas ce que je fais ici maintenant. C'est juste une aventure de foi. The main thing I had to do was set the church in order. Set in order. Tout ce que je dois faire, c'est mettre l'église en ordre. Quelques mots de communion et puis je vais vous laisser rentrer. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sais une chose, c'est que tout peut arriver. Genèse 18, verset 1 through 8. Genèse 18. 1 Peter, 2 chapitre, verset 1 through 9. I didn't get a chance to study to kind of get the theme here somewhere. D'étudier, yeah, mais so I'm just kind of feeling my way around here. Si je vais and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. Et le Seigneur lui apparut parmi les chaînes de Mamre. Et j'étais là, je l'ai vu. And he sat in the tent door. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham. Il part d'Abraham. He lifted up his eyes. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, he ran to meet them from the tent door. Au devant d'eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna en terre et dit Seigneur, regardez la révérence lorsque Elohim est venu dans la peau. Alléluia. La semence d'Abraham. So when they, with the respect, avec le respect, God in skin, Dieu dans la peau. Where is it in the church? Où trouve-t-on ça dans l'église? My bowed himself. Il s'est prosterné par terre. Said, my Lord, et il a dit mon Seigneur. One Lord. Les trois, il a appelé un Seigneur. I have found favor in thy sight. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. A little ward, I pray you. Permettez qu'on apporte un peu d'eau
pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai chercher un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter, et prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Oh, quel respect! Gloire à Dieu, amen. Oh, si nous pouvions trouver ça aujourd'hui, alors l'enlèvement serait là. Find that respect, revelation, trouvez what's going on in your church. Ce respect, la révélation, ce qui se passe. First Peter 2. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisy, déposant toute hypocrisie, toute malice et toute mauvaise parole, comme des nouveaux, des enfants nouveau-nés, désirant le lait sincère de la parole, afin que vous puissiez croître, afin que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et il vient comme une pierre vivante, choisie de Dieu, précieuse, et vous aussi, comme des pierres vivantes, pas des mortes. J'ai prêché sur des pierres, la confession des sept sceaux. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifié une maison spirituelle, une sacrificature royale pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre maîtresse, d'angle élue, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confondu, il ne sera pas dans la confusion. Deceived. Il ne sera pas séduit. Amen. À vous qui avez cru, elle est précieuse. Mais pour ceux qui sont désobéissants, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la maîtresse du coin, la pierre de fête. Et une pierre d'achoppement, un roc d'offense pour ceux qui trébuchent contre la parole. Les sept tonnerres seront un rocher d'achoppement à New York City et autour du monde pour tous ceux qui trébuchent contre la parole. Ne pas pu comprendre ce qu'étaient les tonnerres, étant désobéissants. Ce à quoi ils ont été destinés, Dieu le savait, il les a destinés à trébucher à la parole de Dieu. Mais pas vous. You made it. Vous y êtes arrivé. Vous êtes une génération choisie, élue, une sacrificature royale, une sainte nation, un peuple particulier. Pourquoi êtes-vous particulier? Afin que vous puissiez montrer la louange de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Parce que votre nom est dans le livre. Courbons la tête, Père Céleste, que le feu tombe pour confirmer le message dans le nom de Jésus. Pouvez vous asseoir. Je ne sais pas quoi vous dire. Dans quelques minutes, je ne sais pas. Mais juste une petite pensée. Elohim, Michael et Gabriel. Gloire à Dieu, amen. Se ranger du côté de Jésus. Il est bon de se ranger du côté de Jésus. Amen. Parce que cela vous aidera un jour. Oh, laissez-moi rester sur le positif. Gloire à Dieu. Page 6. Maintenant, voici la vision du temps de la fin. Nous allons commencer avec l'Église primitive et je vais donner quelques citations aussi. Je ne sais pas où le Saint-Esprit va me conduire. Juste l'amener à ce qu'ils ont fait dans l'Église primitive afin que je puisse montrer la vision que j'ai pour le futur. C'est la vision du prophète maintenant, pour le futur. Il parle à des prédicateurs ici, principalement. Maintenant, au commencement, l'Église a été inaugurée à la Pentecôte et là, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ceux que Jésus avait choisis, 12, et l'un est tombé. Ils ont choisi quelqu'un à sa place et le Saint-Esprit a attendu que tout ceci soit en ordre avant de venir. Voyez-vous ce que je fais maintenant? Voyez pourquoi j'ai combattu pour mettre l'Église en ordre? Il ne viendrait pas jusqu'à ce que l'Église soit en ordre. Maintenant, il est ici. Amen. And one of them had fallen, and they chose Messiah to take his place. Ils ont choisi
Matthias pour prendre sa place. Et ils ont attendu que tout soit en ordre. Ils devaient en choisir un pour prendre sa place, la place de Judas, qui était tombé pour accomplir les Écritures. Et je crois que toutes ces choses, il y a un temps d'attente, environ une demi-heure d'attente, attendant l'appel et tailler les pierres et les mettre en ordre et trouver une église quelque part qui est mise en ordre, qui a assez de sens pour que tout soit bien. Changer toute cette église en lambeaux. Get it ready. La préparer. Brother Coleman, how can you spend around $40,000-$50,000 for a church? Comment pouvez-vous dépenser $40,000-$50,000 avant l'enlèvement? Le prophète a dit, s'il vient demain, construisez votre église. Prophet said, le prophète a dit, if you knew that Jesus si vous saviez tomorrow, que Jésus venait demain, alors, eh bien, construisez votre église. That's what he said. Voilà ce qu'il a dit. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. And all these things has a time et of lingering, choses, waiting, un temps d'attente, but it's waiting attend, for time, mais il attend for the scripture be fulfilled, pour que les écritures s'accomplissent. And the fullness of time is here. Et la plénitude des temps est ici. Till everything gets right, jusqu'à ce que tout soit en ordre, waiting, tout dans l'ordre, attendant. We get impatient, bien souvent, nous like sommes impatients, child, comme un enfant, avec l'anticipation. Et bien souvent, nous sautons trop tôt en avant. Until the work is caught up, mais jusqu'à ce que le travail soit terminé, nous devons simplement avancer avec révérence, avec respect, avoir un but dans le cœur. C'est que Dieu, s'il veut nous utiliser de telle et telle manière, mais attendez que lui fasse l'ouverture. Ainsi, j'ai dû attendre l'ouverture pour avoir deux diacres supplémentaires. Parce que c'est lui qui doit aller devant nous. Souvenez-vous, David qui était allé à la bataille le soir, il se posait des questions au sujet du combat. Et il était là sous les mûriers jusqu'à ce qu'il entende le Seigneur dans le bruit des feuilles allant devant lui. Alors il est allé avec le courage parce qu'il savait que Dieu était parti devant lui. Et si nous voulons seulement faire ça, frère, en sachant que la bataille vient, mais nous devons attendre jusqu'à ce que nous voyons la main de Dieu partir devant nous. Frère, lorsque j'ai vu cette nuée tourner, le Saint-Esprit s'est déversé. J'ai entendu le bruit au-dessus des mûriers. Gloire à Dieu. Puis-je dire que j'ai entendu le bruit au sommet de l'arbre épouse, là au sommet, là où viennent les fruits, au temps du soir, il y aura de la lumière. J'entends le bruit. Dieu est dans la maison. Il a mis les constructeurs ici. Rien ne pouvait arriver avant que frère Crawford vienne ici. Je crois que Dieu va te guérir. Gloire à Dieu, et qu'il va bénir à tes aumônes, attendant que chacun vienne dans sa place, attendant que frère Eddie soit formé, que frère Junior soit formé. Gloire à Dieu. Vous imaginez que Dieu m'a dit en 1974, mets ton église en ordre, et frère Eddie et frère Junior étaient dans le monde. En 1975, il a appelé frère Eddie, et frère Junior est venu dans les sept tonnerres, attendant que ces deux-là grandissent, attendant qu'ils se marient, attendant qu'ils aient des enfants. Alors, les placez là. Alléluia. Tout a un temps et une saison. Le mariage de Joanne devait attendre le temps et la saison. Attendant de venir, ils viennent. Ne soyez pas excités. Gloire à Dieu. Je dis, attendez, attendez. Ne prenez pas n'importe quoi. Sœur, attendez jusqu'à ce que Dieu vous révèle votre compagnon. Frère, attendez jusqu'à ce que Dieu vous révèle votre compagne. Ne saisissez pas n'importe quoi, mais Dieu a quelqu'un pour vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Glory, my Elohim, Michael, Gabriel. Elohim, Michael, Gabriel. Oh, my, maybe seated. Oh là là. Prendre, se ranger du côté de Jésus, gloire à Dieu. Le temps d'attendre est terminé. La pierre de fête est ici. Savez-vous ce que je dis? Nous y sommes. Here's a testimony, Sister Carol Salmon.
un témoignage de sœur Carol Salmon. Un témoignage dans la parole. Elle sait ce qui est arrivé dimanche passé. J'espère que les autres aussi. Elle m'a donné une note de louange ici le 1er septembre. Cher frère Coleman, que le Seigneur vous bénisse. Elle a demandé au Seigneur de me bénir. Gloire à Dieu. Mon cœur est tellement béni après dimanche. Voyez-vous, je me suis senti conduit de vous dire ce qui est arrivé. Lorsque je suis rentré à la maison dimanche, je me suis senti conduit à écrire une bande de 75 à cause des messages qui avaient été prêchés sur l'internet. Voyez-vous, je sais ce que je fais. Le numéro C, ce sera des numéros de, ce sera des messages de la convention. Alors, ils vont écouter et comprendre lorsqu'ils seront recyclés. C'est une prophétie. Amen. Ainsi elle a dit, I felt led to listen to je me suis senti à écouter une bande de 75 parce que, à cause du message qui avait été prêché le matin. Ainsi, j'avais prêché sur la pierre de fête. Home, elle est rentrée chez elle, elle se souvenait. Elle a cherché cette bande. J'ai regardé les bandes que j'avais et j'ai trouvé la pierre de fête d'amour qui était prêchée à Fort Wayne en 1975. Sur cette bande, vous avez lu les mêmes écritures que vous avez lues dimanche passé. Mon esprit était complètement soufflé. Voyez-vous, la prophétie ici, maintenant elle est ici. C'était une prophétie à Fort Wayne. Mais maintenant elle est là. Elle est là. Amen. Alors, le message qui a suivi, le message de dimanche passé, c'était exactement le même. L'épouse en ordre, mûre, les fils et filles adoptés de Dieu. À la fin de la bande, vous avez dit le même message. Vivra dans l'épouse. Elle sera dans un état parfait, car le message va être recyclé dans votre cœur. Et ça commence maintenant. Amen. Va être recyclé dans vos cœurs. Cette fois-ci, mélangé avec la charité, la foi parfaite. C'était pas moi qui parlais. C'était l'archange qui prophétisait. Une prophétie. Pouvez vous asseoir. Les recycler dans vos cœurs, mais cette fois-ci mélanger avec la charité, une foi parfaite, qui va venir directement, ainsi dit le Seigneur, sur le champ, et faire s'accomplir chaque promesse pour l'épouse dans la lumière. Car le message de Malachie 4 va faire s'accomplir chaque fois. À la fin, vous avez dit, oh, je m'accroche à ma promesse de la pierre de fête d'amour. Je remercie Dieu, regardez maintenant, qu'il est descendu pour me réveiller, les sept tonnerres. Et les autres dorment. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il vous a réveillé. Allez à la rencontre de l'époux. La parole. Ainsi maintenant, vous voyez l'armée de ceux qui dorment ici. Voyez-vous la bataille. La bataille que c'était. Il les a mis endormis ici, des vierges folles. Mais les tonnerres réveillent l'épouse. Elle commence à le louer. Elle commence à vivre la vie. She woke up. Elle s'est réveillée. Well, the message of Malachi 4 will bring it all. Je m'accroche à ma promesse, la pierre de fête d'amour. Je remercie le Seigneur parce qu'il est descendu pour me réveiller et me montrer, voici, que le temps est court. Qu'est-ce qui est arrivé le 11 août? Le temps est court. La prophétie, c'est fini. Nous y sommes. Ce David est ici. Ce matin, le septième sceau. Il ne vient pas, il est là. Pour me montrer que le temps est court. Et les Écritures s'accomplissent juste devant mes yeux. Et pour m'appeler à la résurrection. Une prophétie. Il a dit, put him in the tape room. Et il a dit, mais là, dans la salle des cassettes, alors ils comprendront le message. Le prophète sera là, et le témoin sera là. Et c'est sorti de New York City. Directement et pur du ciel. Et personne ne peut venir contre cela. Cela a été éprouvé. Sur le champ, ainsi dit le Seigneur chaque fois.
Oh, praise. You may be seated. Oh, gloire time à is Dieu. Short. Le temps est court. I call you to resurrection. Vous appelez la résurrection. Voilà ce qui se passe. It was a prophecy. Une prophétie. Alléluia. 1974, 1982, que devrais-je faire? Okay, open your Bibles, Leviticus. Eh bien, ouvrez votre Bible 25. Dans Lévitique 25. Amen. Verse 1 through 6. Verse 20 through 22. And the Lord spake unto Moses, saying, we have new people here. I have to go back and pick them up. Nous avons des nouvelles personnes ici. The Lord spake unto Moses, saying, et le Seigneur parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Spake unto Moses in Mount Sinai, saying, speaking to the children of Israel, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, c'est la terre qui va prendre le sabbat. Alors les sept tonnerres sont le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous entrez dans le pays, alors vous allez garder le sabbat. And the thunders was revealed in 1974. Et les tonnerres ont été révélés en 1974. So when you come into the land, quand vous entrez dans le pays en 1974, you're there, you're hearing about it. Vous étiez là, dans le message. Amen. But then when that land is revealed what it is, mais lorsque ce pays est révélé ce qu'il est, et que vous entrez là-dedans, here's what's going to happen then. Voilà ce qui va arriver alors. You will keep a Sabbath, vous garderez un sabbat when you come into the land which I give you, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, alors la terre keep a Sabbath unto the Lord. Se reposera, ce sera un sabbat. Le sept tonnerre devra avoir un sabbat dans la septième année. Ok. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Il va donner au sept tonnerre un repos. Et la seule chose qui peut donner du repos, c'est la charité. Amen. Gloire à Dieu. A Sabbath for the Lord. Un sabbat pour l'Éternel. Then the Lord can look down. Alors le Seigneur pourra regarder. Have I labored. Pendant six jours j'ai travaillé. Elohim. Cheryl. Elohim. Praise God. Gloire à Dieu. My. Well, let me read. I'll come back. Amen. Oh, laissez-moi lire. It's right there. Oh, je sens que c'est là. Amen. The seventh year shall be a Sabbath. La septième année sera un temps de repos pour la terre, un sabbat pour l'honneur de l'Éternel. Tu n'en semenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra du grain tombé de ta moisson. Tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant ton sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, et à ta servante, à ton mercenaire, et à l'étranger qui demeure avec toi. Amen. Alors il m'a amené au verset 20. Vous savez, ceux qui sont faibles, je vous dirais, que mangerons-nous la septième année, frère Coleman? Voyez-vous? Maintenant, dans la sixième année, 1979, bien, pouvez-vous compter? 4, 5, 6, 7, 8, 9. So in the sixth year, ainsi, dans la sixième année, I'll give you a blessing, je vous donnerai une bénédiction à Fort Wayne. I, Jesus, have sent mine angel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Alléluia. Et l'épouse s'est préparée. Mon now, Seigneur et mon Dieu. Maintenant, des épîtres écrites et lues pour ce jour. Change over. Il passe, il transforme. En 1979, au mois d'août, Saint-Esprit est venu là. Un message en août-septembre, octobre, novembre. C'était l'appel de Haggai pour construire la maison de Dieu. L'année suivante, ce serait 1980. Ce serait la septième année. Alors il dit, que mangerons-nous la septième année? Je commanderai la bénédiction de la sixième année. Cette bénédiction va venir pendant la sixième année. Avec tous ces messages, mois d'août, septembre, octobre et novembre. Tout ça, des semences, des bénédictions, une moisson. Ces messages, amen. Amen. And shall so command a command of blessing is a different one. Une bénédiction commandée, c'est différent d'une bénédiction ordinaire. Amen. C'est une bénédiction commandée. And then I will command my blessing. Je commanderai ma bénédiction. The, when Elijah come, that was a comme la veuve lorsque Élie est venu, c'était une bénédiction commandée. Command that barrel to commandé run cette cruche ne, I mean, not to have any, because ne va pas. Il y aura chaque fois de de la farine dans le tonneau, gloire à Dieu. Alléluia. Alors je commanderai ma bénédiction la sixième année qui produira des fruits pendant trois ans. Et ce serait 1980, 81, 82. Trois ans. Produire du fruit des messages depuis 79. Okay, you read me? Bien, vous lisez avec moi. Amen. Amen.
Verse 22, and you shall sow the eighth year, which will be 1981. La huitième année, 1981. Et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année. Maintenant, c'était toutes les anciennes ventes de 1973 qui sont là dans la réserve. Amen. Nous arrivons quelque part. De l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que la nouvelle récolte arrive maintenant. Vous mangerez des anciennes bandes. May God have blessed in reading those words. Le Seigneur vous l'avait dit. Oh, je vois que vous l'avez déjà saisi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dû aller chercher les anciennes bandes? C'est l'ancienne réserve. And now we are in the harvest. Et maintenant nous sommes dans la moisson. When the headstone dropped down, the harvest is here. Quand la pierre de fête descend, la récolte est là. Ainsi la 9e année 1982, jusqu'à ce que la moisson soit là. C'est ici. Alors, mais lorsque la moisson arrive, box up the old store. Alléluia. We are here now. Nous y sommes maintenant. Glory to God. Gloire à the Dieu. Harvest is here. La moisson est ici. The third step is here. La troisième marche est ici. Elohim, Michael, Gabriel. I don't know what I'm gonna say. Je ne sais pas ce que je vais dire. Alléluia. He's training me. Mais for short, quick messages. Il m'a formé pour un message court et rapide. Ce ne sera pas moi qui parlerai. It'll be the voice of the archangel. Ce sera la voix de l'archange. Glory. Gloire à Dieu. Gloire Do you à understand? You may be seated. Comprenez-vous? We've heard the sound of going. Nous avons entendu le son pour repartir. La commission qu'il m'a donnée en 1968, je ne comprenais pas. Je pensais que ça voulait dire 6 années, 66, 67, 68, 69. Je suis parti avec ça et j'ai semé des semences ici. Harry Wimple et d'autres. Alors plus tard, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être cela. Parce que les sept tonnerres. Et il m'a dit cela après. Non, il dit que ça a commencé en 74. C'était la 9e année et la première année. La 9e année pour New York depuis 1965. Voilà pourquoi je ne savais pas que j'avais un autre office. Est-ce que ça fait trébucher quelqu'un ici, un autre office? Alors, vous imaginez duquel il s'agit? Oh my! Oh là là! Wait a minute, Brother Coleman, you're the pastor here. Frère Coleman, vous êtes le pasteur ici. Oui, ça a été confirmé en 74. Another office? Un autre office? Sûrement. Quel est votre office? Prophète? Huh? Est-ce que c'est prophète? Apostle? Apôtre? Evangelist? Évangéliste? What is it? Qu'est-ce que c'est? It'll speak for itself. Ça parlera de soi. These signs shall follow. Ces signes suivront. How can I go outside? Comment puis-je aller à l'extérieur, à moins qu'il ne m'envoie? Et si vous allez à l'extérieur, vous devez y aller avec quelque chose. Ainsi dit le Seigneur. Commencez à vous réveiller maintenant. Voulez-vous me dire que le défi de toutes ces personnes qui ont défié l'office de pasteur, ils vont venir contre ça? Ils ne comprennent pas. Pouvez-vous vous asseoir? Oh là là. Ainsi voulez-vous me dire, en 1974, tous les messages de Frère Branham étaient là, le cavalier au cheval blanc, les tentes et toutes sortes de choses. Et Dieu descendre à New York et former des semences des sept tonnerres. Et que vous allez semer ces semences des sept tonnerres pendant 6 ans. Et alors à Fort Wayne, une petite réunion. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Change over period. Et ça se transforme. Revenir à New York. Et le diable vient ici en janvier, au moment où Rebecca se marie, essayant de tout détruire l'héritage restauré de l'épouse. Mais j'enverrai mon ange devant toi. On ne savait pas ce qui se passait. 5 messages. Pour garder le fort et les puissances démoniaques qui étaient là. Alors, le diable m'a enlevé ma santé et frère Nino est venu comme témoin. Qu'est-ce qui arrive à frère Nino? Le diable a essayé de le détruire à cause de sa position, mais il est ici aujourd'hui.
Le diable a voulu détruire sa maison, celui-ci, celui-là, mais il se tient là aujourd'hui. Ça m'est arrivé pendant toutes ces années. Et chaque fois que vous allez dire, je suis un témoin, alors préparez-vous à rencontrer Satan. Gloire à Dieu, amen. Oh là là. Comprenez-vous maintenant ce qui se passe dans cette église? Vous pouvez vous asseoir. En 1980, le diable a essayé de me détruire. Encore 5 messages. Bang, Rebecca, ta fille sera un signe. Va chercher Rebecca, 1980. Alors, les amener la 7e année. Je dis, Seigneur, je sais que c'est mûr. Ils ont essayé de me détruire finalement. Le Saint-Esprit a répris réprimandé les 7 tribus. Et si c'était le test final, ce n'était pas moi, mais c'était Dieu qui réprimandait les ministres. Voilà dans le pays des 7 tonnerres à Silo. Je suis allé ensuite au mont Tremblon. Et le Saint-Esprit m'a parlé. C'est pas encore le temps d'aller au sommet. Il a dit plus tard. Mais lorsque la dynamite va exploser 3 fois, là, ce sera un signe qu'il y a de la puissance sur la montagne. La 8e année, je veux dire la 7e année, le tonnerre, c'était travailler pendant 7 ans, il devait y avoir 6 ans, il devait y avoir un repos quelque part, alors il a dit de tourner la nuée. Alors, le repos est arrivé, la nuée a été tournée, et il m'a dit, comme la dynamite, là, au mont Tremblon, et tous les rochers dans la montagne, et il voulait rendre ce sentier plus accessible, alors ils ont fait exploser tous les rocs avec la dynamite, et je suis rentré, et alors, dès que je suis rentré, des rochers ont commencé à exploser, je sais ce que je faisais, mais ils ne savaient pas ce que je faisais, ainsi Dieu a fait exploser les rochers d'offense dans sa sainte montagne, il les a fait exploser avec la dynamite, parce que la nuée, la puissance a été tournée, la vertu s'est déversée, c'était la 7e année, le temps de repos. À Coronationville, revenir à New York, à l'Afrique du Sud, pour former et tailler les semences élues. Et là, ici, ils sont endormis. Et puis ramener les troupes de Porto Rico, amener ceux qui crient. Shame New York. Let them see the people that love God. Honte à vous, New York. Gloire à Dieu. Et puis voici qu'il y a Porto Rico. Ah, 1981. La 8e année. Charity never faileth. La charité ne faillit jamais. The first message. Le premier message. Charity never faileth. La charité ne faillit jamais. Right in front of you. Juste devant vous. Or April 3rd or 4th. Le 2 ou le 3 ou le 4 avril. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La 8e année, vous allez semer, ensemencer. Pour la 9e année. Et vous allez manger depuis 79, la 6e année. Vous allez manger 80, ce qui a poussé par soi-même. En 80, ce qui a poussé de soi-même. Et la 3e année, 9e année, vous allez semer à nouveau. Vous allez semer dans la 8e année. C'est la 8e année, depuis la charité ne faillit jamais, jusqu'à Penn Harris. Tout ce temps-là, aller à Penn Harris, réprimander des esprits de ministres, certains esprits, alors mettre tout en ordre, alors le mercredi, lorsqu'ils pensent que tout va bien, alors donner de nouveau une réprimande aux mêmes esprits. Seigneur, ils veulent détruire la réunion. Non, fais ça premièrement. Ensuite, appeler la colombe, que la colombe descende, et seul Dieu peut faire cela. Aucun homme ne peut réprimander d'un côté comme cela a été réprimandé, et puis alors il s'est tourné vers les ailes d'une colombe blanche. Juste devant vous, il a dit, si tu ne les reprends pas, il n'y aura pas de colombe. Oh, ils vont parler contre toi, et ils vont dire que tu es méchant et ceci. Mais je fais ça dans un but afin qu'ils s'en aillent. Ils vont interroger, et beaucoup l'ont fait. Mais comment est-ce que tu ne le dis pas comme ceci? Mais c'est comme ça qu'il m'a dit de le dire. Gloire à Dieu. Et alors je te bénirai.
quiets down, alors, lorsque ça se calme, le 20 septembre 1981, 7 ans plus tard, Ella, Elohim, the blessing come la bénédiction for est venue pour avoir réprimandé ces esprits à Penn Harris. Don't be afraid of n'ayez a pas word. Peur de la parole. Don't be afraid of some man or some n'ayez woman. Pas peur d'un homme, d'une femme. Qui sont-ils? Stay with the word. Restez avec la parole. Never be afraid of no man's person. N'ayez jamais minister. Personne d'un homme, n'ayez jamais peur de personne ou d'un ministre. C'est peut-être un imitateur. Supposez que Dieu vous donne une vision où vous deviez prendre position et vous ne le faites pas, mais vous le faites par la foi. You test them by the word. Vous le testez par la parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. So the eighth year, ainsi, la huitième année, all those seeds were toutes ces semences ont été semées. Elohim and all that was sown et tout ça a été semé dans la parole parlée avec Timothée. All those seeds were sown. Toutes ces semences ont été semées. My, well, it should be a harvest sometime, voilà. Eh bien, il devrait y avoir une récolte quelque part, n'est-ce pas? Is there something? N'est-ce pas quelque chose? My. Oh là là. Then the ninth year, alors la neuvième année, 1982 est arrivée. What happened in 1982? Qu'est-ce qui s'est passé en 82? Qu'est-ce qui se passe en 82? Oh là là. Noma. Noma. Praise. Alléluia. January, February, and all janvier, kind of things février, begin to happen 1982. Ce n'est pas arrivé. Then, toutes ces genres de choses. Trinidad, faire ceci, aller à Puerto Rico. Elohim, in the tent, Elohim Sarah, dans la tente. Sarah. Et le temps de la vie. Tout ça qui arrive. Elohim, Michael, Elohim and Michael et Gabriel. Then Elohim dropped in, revealed alors Elohim who he was, est venu, il a révélé qui il était, qui vous êtes. Vous existiez earth. Avant la fondation Elohim. Du monde. Elohim. Alléluia. Most of you never even seen Brother Branham. La plupart d'entre vous n'ont même jamais vu Frère Branham, vous ne savez pas qui c'est. Voilà pourquoi il a dit, je chevaucherai cette piste encore une fois. Alléluia. Ils doivent avoir plus qu'une révélation sur la bande et les brochures. Ça doit être réel. La présence de Dieu. Ainsi, Elohim allait revenir. Pourquoi ris-tu, Sarah? Pourquoi ris-tu, Sarah? Alléluia. Je reviendrai vers toi, Sarah, au temps fixé. Alléluia. Le temps d'attente est terminé. La rédemption par puissance. La rédemption au temps présent. Je suis celui qui suis. Alléluia. Nous y sommes. L'église est en ordre. Michael est ici. Michael est ici pourquoi? Pour vous délivrer. Alléluia. Allez-vous-en. Courez pour votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Courez pour votre vie. Oh là 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 là. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Oh là là. This is the ninth year. Ceci est la neuvième année. Amen. June 20th, redemption by power. 20 juin, rédemption par puissance. 26-27. Ça commence, c'est la prophétie. Ils ne comprendront même pas. Alors quand je reviendrai le 11 août jusqu'au 19 septembre, alors ramène les mêmes messages là, directement de la prophétie. Alors ils vont le comprendre. Et ce ne sera pas toi qui parleras, c'était moi. Alléluia. Le 20 juin, 26-27. Allez dans la tente en Europe. Identifiez la tente en Europe et revenir ici. Tout étant pur. Go back down to the tent in Puerto Rico. Allez à la tente, à Puerto Rico, une nouvelle, là. Thanksgiving. Give thanksgiving action de grâce, rendez grâce au Seigneur. Identify the Elohim, the ministry. Identifiez le ministère Elohim dans all la tente. That's going on right now. Et tout ce qui se passe maintenant but même. I have a place to come into. You catch mais je dois avoir un endroit pour entrer. Alors avez-vous saisi ce que le prophète a dit? Il a gardé l'ancien tabernacle pendant des années. Mais le temps est arrivé pour que moi je sois révélé. Alors il a reconstruit le tabernacle. So you have to do the same thing. Ainsi, vous devez faire la même chose. Oh, il y a des esprits charnels qui ne vont pas comprendre ce que vous faites. Mais contournez-les. Levez-vous et construisez. Glory.
Gloire à Dieu. Oh, I won't be much longer. Oh, je ne serai pas beaucoup plus long. Encore quelques citations. Dans quelle saison nous sommes? Le seul chemin pourvu pour l'adoration. Page 6. Voilà ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Je crois que l'Église commence à entendre le message, qu'elle commence à le comprendre. Les amis, écoutez. Nous devons nous tenir dans la présence du soleil. Nous devons mûrir. Notre foi n'est pas mûre, pas mature. Amen. Intellectuellement, nous entendons le message que Dieu nous a donné pendant toutes ces années. Intellectuellement, nous comprenons ici. Nous voyons les signes qu'il nous a montrés en prouvant par la Bible. Mais l'Église doit se tenir là, attendrir son cœur, la douceur de l'Esprit. Parfois, cela devient dur dans le message. On doit venir comme ça parce qu'il faut enfoncer le clou pour qu'il tienne. Amen. Mais lorsque l'Église le recevra, les élus qui sont appelés hors d'eux et qui sont séparés là, dans la présence de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Je sais que ce sera quelque chose comme là lorsque les gens partent dans l'enlèvement. Il parle de sa visitation avec Hope et Sharon. Il revient et il dit, lorsque vous serez appelés et séparés dans la présence de Dieu, Elohim, Michael, je sais que ce sera comme c'était là-bas. L'amour parfait, sans laquelle personne ne peut aller au ciel. Praise God, amen. Glory! La charité. Alléluia, alléluia, alléluia. I'm going to tell you that we're going to see this happen here. Et nous allons voir ceci arriver ici. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. The foundation stones, Will. Les pierres de fondation, oui. Votre pierre de fondation. À la page 38. Alléluia, alléluia. Nouvelle création, pas une dénomination, mais la parole. Vous êtes créature de la parole, parce que la pierre de fondation a été mise en vous avant la fondation du monde. Elle a été prédestinée à être des fils et filles de Dieu. Elle a été placée en vous avant la fondation du monde. La pierre de fondation, ici. Cette pierre a été placée en vous. Et lorsque cette pierre entre dans la lumière frappe cette pierre de fondation. Cette pierre sort de la Odyssée. Avec ou sans le Saint-Esprit, c'est une pierre, c'est un germe, c'est une semence. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette pierre ne peut pas renier la parole, parce qu'elle est la parole. Alléluia. Le monde va tirer ainsi. Le monde va tirer comme cela. Colleen, Stephen, la parole va vous tirer. Alléluia. Alléluia, vous êtes dans sa main. Praise God, tenez fermement la main du Seigneur. Il y a une pierre qui est en vous, avant la fondation du monde. Peu importe, gloire à Dieu, comment le diable essaie de vous tirer par ici et par là. Michael est ici pour vous délivrer. Vous tous, les enfants de l'école, tenez fermement la main immuable du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Michael est ici. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, my. Praise God, amen. Glory to God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Glory. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Oh, my. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory to God. He's here. Il est ici. Okay, let me close out here. Laissez-moi terminer maintenant. 35-40 minutes, I'm finished. 35-40 minutes, j'ai terminé. Short, quick message. Un message court et rapide.
Amen. Amen. Page 97, Jehovah Jireh. À page 97, Jehovah Jireh. Page 87, rather, Jehovah Jireh. Page 87, plutôt, Jehovah Jireh. Brother Branham speaking about the three men coming down a dusty road to meet Abraham. Les trois hommes qui viennent dans cette route poussiéreuse pour rencontrer Abraham. Hallelujah. I'm going to identify, I'm going to close and finish. You may be seated. After Abraham. Abraham. The man said, you mean to tell me, Brother Branham, that Frère Branham, que c'était Dieu? That man was God. Cet homme était Dieu. Abraham dit, Abraham dit qu'il l'était. Tous les traducteurs l'ont traduit de la même façon. L majuscule O-R-D, Seigneur. Tous ceux qui lisent les érudits de la Bible savent que c'est Elohim. Il est venu du même mot, Elohim. Au commencement, Dieu a créé Elohim, le Tout-Puissant, celui qui existe par lui-même, qui a créé les cieux et la terre. Et là, il se tient devant lui. N'oubliez pas maintenant. Lorsqu'Elohim est révélé, alors il revient à Jéhovah. Frère Branham l'a dit. Si quelqu'un existait par lui-même, voilà pourquoi il est descendu ici au temps de la fin, c'est Jéhovah. Mais Elohim vous le révèle qui vous êtes. Voyez-vous, si vous avez la révélation d'Elohim, ça veut dire que votre Père céleste, sans le Saint-Esprit, votre Père dans le ciel comme Pierre, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais son Père, Elohim, dans le ciel, lui a révélé qui il était réellement. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur la révélation spirituelle, j'édifierai mon Église. J'enverrai les tonnerres. Et appeler l'Église sur cette révélation spirituelle. Alors ils mettront tout en ordre. Et le Josué viendra, le Saint-Esprit, pour les placer, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, et les dons du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! L'Église est en ordre. Josué est ici. Moïse les a conduits dans le pays, mais Josué les a fait passer dans le pays. Alors ils ont combattu pendant 6-7 ans. Alors Josué a réparti le pays. Malachi 4 représente Moïse, Jésus, alléluia, qui nous a amenés dans le pays. Le Saint-Esprit, gloire à Dieu, nous a mis à l'intérieur et nous avons combattu le bon combat. Et maintenant, Josué, le Saint-Esprit, va répartir le pays. Votre héritage. Alléluia. Dieu a créé Elohim, celui qui existe par lui-même, qui a créé le ciel et la terre. Il était là devant, said, devant lui, Abraham. You just don't know my God. Vous ne connaissez simplement pas mon Amen, Dieu. That's all. Voilà tout. I said, what is a human j'ai dit, body made out of? De quoi est fait un corps humain, le pétrole, la potasse, ces éléments. Only thing God had to do la seule chose come down and que Dieu devait faire Sodom. Pour investiguer Sodom, il a pris une poignée de lumière cosmique de pétrole et il a soufflé. Viens ici, Gabriel. Entre là. Amen. That's right. C'est juste. Il a pris une autre poignée de poussière. Viens ici, Michael, entre là. Amen. Et il en a fait une pour lui-même. Il a fait trois corps de cette poussière, de ces éléments, pour Michael, Gabriel et pour lui-même. Les trois devaient être représentés à la semence, Abraham. Alors les mêmes trois doivent être ici au temps de la fin pour les semences d'Abraham. Et cette révélation a touché le monde. Elohim, Michael, Gabriel. Voyez-vous ce que je veux dire? En d'autres mots, nous savons qu'Elohim est notre Père. Nous sommes dans ses gènes, germes. Alléluia. Alléluia. Sa nature nous a été transmise au travers de sept anges de l'Église. Et cette nature est en nous sous forme de semence. Nous sommes la parole. Mais nous ne pouvons aller nulle part sans l'Esprit. Ainsi, Michael dit, je suis là. Gloire à Dieu, la voix de l'archange. Alléluia. Gloire, 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 gloire.
Michael est ici. Pourquoi? Il est le capitaine invisible. Josué, le Saint-Esprit dans le pasteur vous a conduit jusqu'au capitaine invisible. Pourquoi? Pour être placé positionnellement. New York, you got a charge. New York, you got to be positionally, vous avez une charge. Des ordres. Vous devez être placé positionnellement entre maintenant, le 31 mars, et puis aller à Penharis, à Pâques. Everybody in their place. Tout le monde étant placé là, la puissance de Dieu, avec les signes qui suivent, les déversements du Saint-Esprit. Michael standing there. Michael qui se tient là. Gloire à Dieu. The church is set in order. L'église est placée en ordre. My. Oh là là. Come here, Michael. Step in here. Viens ici, Michael. Entre là. Il en a fait un pour lui-même. He had to represent il devait something. Représenter quelque chose. He was going to be in the il allait être, qui allait être là dans les derniers jours. Right. Ainsi, il descend et il parle dans la chair humaine. My. Oh là là. There's a revelation going on right now. Il y a une révélation qui sort juste Elohim là. Elohim qui descend à nouveau et qui parle au prophète avec une promesse. Et certains n'étaient même pas encore nés. Then he said, alors, I'll return il dit, at the point of time. Je reviendrai au temps fixé. Alléluia. Then he sends down in the eighth year, alors, la huitième année, en 81, il envoie la charité. Then he identifies alors, who charity is Elohim. Il identifie qui est la charité, Elohim. Then he comes back this year, et il revient cette année, again, et il l'identifie à nouveau, Michael. Elohim, is the word. Elohim est la parole, see, la semence, et Michael est l'esprit. Oh, oh alléluia. Oh, qui dites-vous que c'est? Praise. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. God wants your 16 elements. Dieu désire vos 16 éléments. Let me close out. Oh, laissez-moi terminer, organiste, pianiste. Ça a touché le but. Gloire à Dieu. Praise God. What is the church? Qu'est-ce que c'est, Église? Découvrons ce que c'est. Je vais l'identifier. Vous saurez ce que c'est. Amen. I'll leave Rebecca. Amen. I'll talk about that next week. Maybe. Amen. Je vais laisser Rebecca, j'en parlerai la semaine prochaine. Even light, I'll leave it. Amen. Je vais laisser. Gloire à Dieu. Get the preaching on it. Amen. Peut-être que je vais prêcher là-dessus. I'm close out right now, mais I'm je vais in training. Amen. Terminer maintenant parce que je suis en Amen. Formation. Gloire so, à Dieu. Praise God. Ainsi, gloire à Dieu. So here we are. Ainsi, nous y voilà. Oh my, where we at? Où en sommes-nous? Okay, he talked about Moses. Il parle de Moïse. Somewhere I wanted to strike somewhere. Je voulais parler de quelque he chose. Moses. Il parle de Moïse. Here it is here. Voici. He never went to the gent. Oh, he talked about going to Rebecca. Il parle du fait d'aller vers Rebecca. Sarah. Je veux dire Sarah. Seed Abraham. La semence d'Abraham. Now he never. This is page 97. À la page 97. He talked about showing the sign. Il parle du fait de montrer le signe plutôt aux gentils, aux nations. Discernement to the Gentiles. Il ne l'a jamais fait pour les nations parce que la semence royale devait sortir. L'Église n'était pas encore née. Mais lorsque l'Église est née, et maintenant, il y a 2000 ans, souvenez-vous, c'était à la fin de l'attente d'Abraham, lorsque la semence naturelle attendait le Messie, parce que le Messie était là. Tony Cooper m'a donné quelque chose, je n'ai pas lu entièrement, mais il a dit là que Gabriel est apparu à Zacharie et Marie, n'est-ce pas juste? Et Gabriel est apparu, et lorsqu'il est apparu à Zacharie et Marie, alors Christ est venu vers les Juifs. That's good, brother. Amen. Ça, c'est bon, frère. Yes, sir. Gabriel, coming again. Gabriel qui revient. And then Christ will come to the Jews. Et alors Christ viendra pour les Juifs. Amen. Amen. Yeah, I like that. I like to see the brothers get in the word. Oh, j'aime ça. J'aime voir les frères qui entrent dans la parole. It's right out of the scriptures, the New Testament. Les Écritures, et le Nouveau Testament. Gabriel est venu. Zacharie et Marie. Et Marie. And then Christ came. Et alors Christ est venu. 30-some years later to the Jews. 30 années plus tard pour les Juifs. For salvation. Pour le salut. Now Gabriel's coming again. Maintenant Gabriel revient. He's coming again, 144,000. Il revient pour les 144,000. Oh, praise God. Oh, gloire à Dieu. This is the close of the royal seas waiting. Ceci, c'est la fin de la semence royale qui attend l'apparition de Christ. Did you ever try to divide? Avez-vous déjà essayé? Je n'ai pas le temps d'y arriver, mais il parle de l'apparition de Christ et ensuite la venue de Christ. Ce sont deux choses différentes. Tout cela étant différent, l'apparition et la venue. Il est en train d'apparaître maintenant, agissant en nous sous la forme du Saint-Esprit, nous rendant parfaits. Cela doit être. Alors,
And he says, parle du pyramide on a le saut bill. Sur le billet d'un dollar. As it shapes up. Et church, l'église, justification, sanctification au baptême des Saint-Esprit doit être taillée, voyez-vous. Autrement dit, recyclée, c'est sur bande. Et lorsque ça revient et que vous avez la naissance et le remplissage, alors vous êtes taillé. Maintenant, ça ne durera pas longtemps, quelques mois, mais vous allez être taillé comme une lame de rasoir. Alors vous êtes aiguisé et taillé dans la foi, la vertu, la connaissance, les sept vertus, sept voies vécues qui seront polies, taillées. Et cela va identifier que la pyramide est vivante à nouveau en Égypte, New York City, le monde. You understand about New York City now? Vous comprenez à propos de New York City maintenant, la pyramide est en Égypte, New York, le monde. Cette pyramide se tiendra debout à nouveau. Et afin de se tenir debout, elle doit être en ordre. Il doit y avoir une église mise en ordre, un signe apostolique que la pierre d'angle est devenue la pierre de fête. Ceci est la pierre de coin, les signes, prodiges et miracles, l'identification. Est-ce que ce sera sa venue? Non, son apparition. Gabriel va sonner de la trompette pour sa venue. Oh, je vois! Quelle révélation! Je vais le lire, gloire à Dieu. Regardez cette pyramide alors qu'elle se forme. L'église est passée par la justification, sanctification au baptême du Saint-Esprit, alors elle doit être taillée. Lorsque la pierre de fête n'est jamais venue sur la pierre de fête, elle a été rejetée et c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il a été rejeté dans le message. Ils ne veulent pas les tonnerres. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils ne le veulent pas. Les constructeurs, dans ce message, l'ont rejeté. Ils préfèrent avoir un cavalier au cheval blanc. Nous pouvons faire sans le baptême du Saint-Esprit. Nous allons avoir une tente ou quelque chose comme ça. Ils ont rejeté la pierre, la prédication à l'ancienne mode. Ils ne veulent pas cela. Frère Coleman, nous avons le Saint-Esprit quand nous croyons le message. Et c'est juste devant vous. La pierre de fête n'est jamais venue sur la pierre de fête, elle a été, sur la pyramide, elle a été rejetée, tout comme la pierre de coin. Mais lorsque cette pierre viendra, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est terminé. Ça s'adapte si parfaitement qu'on ne peut pas passer une lame de rasoir là où ça se trouve. Et lorsque l'Église arrivera, lorsque Christ, regardez, viendra recevoir son Église, l'Église aura le ministère, voyez-vous, exactement comme cela. Et par cela, la grâce va relever tout. Alors ils s'en iront. La venue de la pierre de fête qui va crier, grâce, grâce au Seigneur, la pierre de fête sera en vous. Criant à l'ange du jugement, grâce, grâce pour ce temple. Quand je verrai le sang, grâce, grâce, grâce pour New York City. La pierre de fête est en eux en train de crier, grâce, grâce. Alléluia. Comprenez-vous finalement? Oh là là. Glory to God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Here we are. Nous y voilà. Page 134, I'm finished. La page 134 est terminée. You see now the returning, vous voyez maintenant le retour, the appearing of the Messiah, l'apparition du Messie. It is the Holy Spirit, c'est le Saint-Esprit the church ready. Qui prépare l'Église. Elohim, Elohim, Michael, Michael, Gabriel. Elohim, in skin. Elohim dans la peau. Revealing himself se révélant through the prophet par le prophète avec un message. Il remonte au ciel et il laisse le message ici. Alors vous devenez un avec le message. Alors vous parlez comme si vous étiez le message lui-même. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la présence du message jusqu'à ce que vous deveniez le message.
Alors en 1974, vous commencez à parler le message, mais vous avez trois poules. L'amour fraternel, le message. Les sept tonnerres, la partie difficile, prophétiser, reprendre les esprits. C'est la partie où vous perdez vos amis. C'est là où vous perdez. En réprimant dans ces esprits aussi fort que vous pouvez, ils ne le comprennent pas. Mais ce n'est pas la venue du Seigneur, mais c'est l'apparition de Michaël. Alléluia. Alors, Elohim a promis à ceux qui peuvent le supporter, aux semences d'Abraham, qui peuvent supporter les réprimandes. Il a promis de revenir. Je reviendrai au temps fixé. Je chevaucherai ce sentier encore une fois. Ainsi je dis, Elohim est apparu. Michael est en train d'apparaître. Et Gabriel va sonner de la trompette et les morts en Christ ressusciteront. Et ce sera la venue du Seigneur. Il y a une différence entre l'apparition et la venue. Et Elohim et Michael sont l'apparition. Et il est en train d'apparaître maintenant sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi est-il ici? Pour vous donner le Saint-Esprit. L'apparition de Christ, comme la pierre de fête, est ici. Pas la venue, mais l'apparition. Croyez-vous cela? Elohim, Michael, Gabriel, l'amour fraternel, la sainte essence, la place en Christ. Personne ne peut briser cela. Nous y sommes, l'Église. L'Église est mise en ordre. Tout est prêt. Il y a une puissance ici qui n'a jamais été là avant. Je le sens, je le sais. Alléluia. C'est terminé. Cela a été enfoncé. Oh là là. Dieu est si bon. Oh, praise. Okay, number 47. Wow. Gloire au Seigneur. God is so good. Isn't Dieu, he wonderful? Dieu est si bon. N'est-il pas merveilleux? Amen. Alléluia. God is so good. Praise God, amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. But let's praise his name. Louons son nom. Let's praise his name. Let's praise his name. He's so good to me. I say to you. Et je vous le dis. Hold to his word. Tenez fermement à sa parole. Hold to his word. Tenez à sa parole. Hold to his word. He's so good to. Do you need a healing? Avez-vous besoin de guérison? God answers prayer. Dieu répond à la prière. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. Je l'aime tant. I love him so. I love him so. He's so good to me. Let's praise his name. Let's praise his name. Let's praise his name. He's so good to me. Oh, to his word.
He's so good to me. And remember, et souvenez-vous God answers prayer. Que Dieu répond à la prière. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. Oh, hallelujah. Praise God. Thank gloire you, Dieu, Jesus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. My, praise hallelujah, the Lord. Hallelujah. Oh, Father, hallelujah. You're so good to us. Père, tu es si bon pour we nous. Love you so much, Lord. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Oh, Lord, may love Seigneur, just come down que l'amour among the people descende au milieu des gens. And seal their heart. Qu'il scelle leur cœur. Praise God. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. I see gloire à Dieu. Pray for the builders here, they're tired and weary. Prions ici pour so pray for our brothers. Priez pour nos frères. How many have a better understanding of what's going on in combien ont une meilleure compréhension de ce qui se passe? Oh, I feel better. Oh, je me sens mieux. The labor was worth it. Ça en valait la peine. Gloire à Dieu. God's word comprenez-vous cannot fail. Que la parole de Dieu ne peut pas faillir. If you don't have the Holy Ghost, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, you cannot go by the way you feel. Vous ne pouvez pas avancer par vos sensations. How can you go by feeling? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, if you have the Holy Ghost, it's different. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est différent. Mais si vous ne l'avez pas, tout ce que vous sentez, ceci, cela, vous n'avancez pas comme ça. You go by what the word says. Vous avancez avec ce que dit la parole. Amen. You cannot go by what you feel. Vous ne pouvez pas avancer par ce que vous sentez. C'est juste le diable qui essaie and de vous piéger. Qui essaie way. De vous faire penser que c'est comme ça que vous êtes. Vous n'êtes pas ainsi. That is your battle. C'est hey, votre amen. Bataille. That is your press. C'est votre pression. Put that up on you. Dieu a mis ça sur vous. Because you are a seed of God, parce que vous êtes une semence de Dieu. Il permet aux démons de venir autour de vous. Il essaie de vous faire penser que vous êtes but ainsi. He didn't make you that way. Mais il ne vous a pas fait he ainsi. Il vous a fait comme ça. So, praise God. Ainsi, gloire à Dieu. Vous avez une révélation. So, stand like Job. Ainsi, tenez-vous comme Job. Job had access Job to God avait accès à Dieu because he was a prophet. Parce que c'était un prophète. He knew how to get himself il savait that would feel funny comment because, God ceux qui se sentaient bizarres, Dieu avait that would feel maybe the Lord don't love me. Peut-être he que got le Seigneur ne m'aime pas, way. Mais il a rejeté ça. And I wasn't blessed and I wasn't healed, et je n'étais pas béni, je n'ai pas été no guéri, et je n'ai pas d'argent. Tout ça hors du chemin. Dieu peut faire toutes choses. So no matter how many onslaughts of the devil, ainsi, peu importe les attaques du diable, God, gloire à no Dieu, matter if a feeling come to smoke a cigarette, peu importe get back. A desire come to look at some woman, un désir de regarder une femme arrière de moi ou de fumer I'm une cigarette arrière de moi, je suis un enfant du roi. Hallelujah. Hallelujah. I presented the burnt sacrifice. J'ai présenté le sacrifice consumé par le feu. The devil could not move Job. Le diable n'a pas pu ébranler Job. Pourquoi? C'était un canal de communication pour l'inspiration. God Dieu vous a appelé pour être un canal de communication. Les sept tonnerres étaient la communication dans votre canal. For inspiration. Pour l'inspiration. So I say tonight, ainsi je dis ce soir. Everything that you can, this morning, that you ce matin, can do, every mechanic, tout ce que vous pouvez faire, that you know la mécanique, to do, tout ce que vous savez do faire, in your home, faites-le. Do it, à la maison, do it, faites-le, do it. Faites-le, faites-le. The devil's only trying to hold you back. Le diable essaie seulement de vous retenir. Mais Michael est ici pour it la délivrance. Ça ne faillira pas. It cannot fail. Ça ne peut pas faillir. Sœur Cipollini, peu importe ce qui est arrivé à Stephen, il ne faillira pas. Comment est-ce que ça peut faillir si Michael est là? Vous serez guéri. Vous serez rempli. Vous serez délivré. Gloire à Dieu. Il est impossible. Ce n'est pas moi qui parle. I was finished.
J'étais fini, mais c'est Michael qui vous dit que l'épée est tirée. Il veut seulement que vous le croyez. Alors regardez le feu tomber. Alors Job a tenu ferme. Il a tenu ferme. Et un jour, les tonnerres ont commencé à retentir. Alléluia. Et les éclairs. Et Job s'est relevé. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Alléluia. Je ne serai pas ébranlé. Il est ici. Sœur Sally, il est ici. Ton mari vient. Oh, Église. Je sens l'attraction de la foi. Tout peut arriver. Alléluia. Vous devez le croire. Alors exercez-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu vous a appelé hors d'eux des pierres. Il vous a assemblé ensemble des canaux de communication pour l'inspiration. Ne bougez pas de là, mais restez là avec la révélation que Dieu vous aime. Et aucun démon ne pourra changer cela. Gloire à Dieu. Amen, Stephen. Colin. Et les autres jeunes gens. Dieu vous aime dans votre école. Michael va vous délivrer dans votre école. Alléluia. Gloire à Dieu. J'essaie seulement de vous dire qu'il est ici. Alléluia. Le volant n'est plus dans mes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Job a tenu ferme. Peu importe ce que Bildad a dit, son épouse, il ne pouvait pas avoir d'inspiration pendant toutes ces 9 années. La sainte décence, reprendre les esprits et tout. Il savait qu'il croyait les 7 tonnerres. Il cherchait la grâce pour l'enlèvement et tout. Il ne voyait pas la guérison. Et frère Dennis est dans la même situation. Avec un œil aveugle, celui-ci et celui-là, voyez-vous. Il ne pouvait rien voir. Mais un jour, l'inspiration l'a frappé. La charité est descendue. Et Job s'est écrié. Et je dis que la charité va venir sur vous et vous allez crier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Oh my, my, alléluia, my. Alléluia. Father, let the fire fall. Père, que le feu tombe. Alléluia. Alléluia. Wonderful, wonderful. Merveilleux, merveilleux. Amen. Shake hands with one another. Serrez wonderful, la main les uns aux autres. Wonderful. Jesus merveilleux. Is to me. Jésus est pour moi. Consola, conseiller. Prince, of peace. Oh, prince de la paix. God is here. Dieu puissant. Il me sauve, me il me garde from all sin and shame. De tout péché et de la honte. Wonderful. Merveilleux Redeemer, et mon Rédempteur, gloire oh, à son nom. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Jesus is to me. Consoler, Prince of Peace, oh, mighty God is he. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Merveilleux est mon Rédempteur. Wonderful. Merveilleux. Alléluia. Oh, one more time. Encore une fois. Wonderful. Wonder, Jesus is to me. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonder.
One more time.